Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans ce nouveau vlog course. Alors, vlog un peu particulier pour moi parce que c'est le premier d'une longue série que je vais tourner ici dans le sud de l'Espagne. Je suis sur la Costa del Sol, qu'on appelle également Costa del Golf. C'est pas par hasard. Je suis ici particulièrement sur le golf d'Alorín, parcours dessiné par Severiano Ballesteros. Et c'est un parcours que j'ai joué la dernière fois. C'était il y a plus de 20 ans, parce que j'étais à l'époque, je travaillais au club méditerranéen de Marbella et j'avais joué ce parcours. Et je m'en souviens comme étant un parcours très difficile, mais également un parcours très beau. Donc j'ai voulu venir ici pour ma première partie ici en Costa del Sol, sachant que je vais rester assez longtemps cet hiver, avec le but de m'entraîner, de travailler, etc. Mais ce sera d'ailleurs l'objet de vlog entraînement. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo qui sortira également sur cette chaîne, sur Phileas Golf. Et voilà. Donc cette partie va être pour moi une certaine référence. C'est ma première partie ici, je suis arrivé il y a 2 jours seulement. Et c'est ma première partie ici en Espagne et je vais en faire beaucoup cet hiver. J'en mettrai le maximum en vidéo. Et ce que je veux, c'est essayer de progresser au maximum, me donner un petit peu cette impression de m'entraîner comme un joueur professionnel, chose que je n'ai jamais vraiment fait dans ma vie. Et je mettrai ça tout ça en vidéo. Et cette partie aujourd'hui servira de première partie, un peu de référence quand je suis arrivé, puis on verra quand je partirai. Bref, assez parlé, on se retrouve tout de suite sur le trou numéro 1, c'est celui-ci. Alors voici le trou numéro 1, c'est un par 5 qui fait 427 mètres, c'est un tout petit par 5, et dans mon souvenir, c'est d'ailleurs l'un des trous les plus faciles du parcours. Donc je vais quand même prendre un drive, je vais m'appuyer sur le sapin de gauche, j'ai beaucoup de vent de face, enfin beaucoup, j'ai un certain vent de face, donc je ne vais pas l'agresser, je veux placer la balle. Puis on verra ce que ça donne. Si je peux effectivement me donner une petite chance de birdie au 1, ce serait pas mal parce que je peux vous assurer que la suite dans mon souvenir est quand même assez costaud. C'est parti. Allez, plein axe sur le sapin. Voilà, un très bon coup pour commencer. Donc voilà ma balle, elle est plein milieu de fairway, c'est assez parfait, mais elle n'est pas très longue. Hein. Il y a beaucoup de vent là-haut, dès qu'elle monte la balle, elle prend beaucoup de vent. Et je vois pas le green, j'arrive pas vraiment à voir, malgré mes lunettes, je n'arrive pas à voir où est le green. Donc ce que je cherchais à faire, c'est à rester un petit peu à droite des bunkers, là-bas, avec un hybride. Puis on verra, il me restera forcément très petit coup pour le green, si j'arrive à la mettre là-bas. On va voir. Donc je m'appuie un petit peu en fade, hein, gauche-droite. Je pense que c'est ce qu'il faut, c'est le sens du trou en tout cas. À droite, reste là. Ok, bon, elle est très à droite là-bas, mais je crois que le green est à droite. Ça devrait aller quand même. Elle m'a un petit peu échappé, j'aurais préféré rester milieu. Voici ma balle. Alors, ce que je crois, c'est qu'elle a légèrement... Oh, non, je pense pas. Je pense pas qu'elle ait touché les branches. Je suis pas certain. Bon, bref, en tout cas, elle est là. J'ai la balle plus haute que les pieds. C'est pas super confortable. Mais bon, vous voyez, le drapeau est juste devant moi. En fait, j'aurais pu le voir de là-bas, mais en ne connaissant pas le parcours, toujours un peu compliqué. Allez, on va essayer de visuellement de trouver la bonne distance. Je connais pas la distance exacte, mais visuellement, je dirais qu'il y a une 60aine de mètres. C'est parti. C'est à gauche, un peu à gauche, mais je pense que la distance est pas mal. Alors à gauche, balle plus haute que les pieds, c'est assez fréquent ce genre d'erreur. Mais comme le drapeau me semble calé un peu à droite du green, je voulais surtout pas rater à droite. Alors, milieu green, ça m'ira très bien, ça me laisse un peu pour le birdie. Alors voici ma balle, donc je suis un petit peu à gauche effectivement, mais maintenant que je vois d'ici, je regrette pas de pas l'avoir attaqué parce que le green est vraiment... il est petit là-haut. Hein. Donc de l'avoir mis un peu milieu de green, c'est plutôt une bonne chose ici. Alors, une vraie chance de birdie, si le putt fait 8 ou 9 mètres. Et deux putts, ça m'ira très bien pour un par ou un. Et je ne connais pas la vitesse des greens. Je vais devoir l'improviser, celle-ci. Oula, ça roule pas terrible. Hein. Ouais, j'ai ça pour le par ou un. Je devrais pouvoir rentrer quand même. Ouais.
Bon, ben ça commence avec un par sur un par 5, c'est pas un exploit, mais c'est important de commencer en ne perdant pas de coups sur le premier point, sur le premier trou. Trou numéro 2. Alors voici le trou numéro 2 qui est très court. Désolé pour la voiturette, ça gâche un petit peu la vue. Il n'y a pas de départ blanc aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'ils ont... Je sais pas pourquoi, ils ont sablé, mais j'ai pas de départ blanc. Donc je pars à ce que je pense être les blancs. 350 mètres, je me souviens de ce trou, c'est un trou qui est assez court, donc 350 vent avec et qui descend. Donc c'est un trou qu'on pourrait presque tenter au drive, parce qu'en roulant on pourrait se mettre bord de green. Mais je ne sais plus exactement où il faut jouer. Là c'est parfaitement aveugle, voilà pourquoi ce parcours est difficile. C'est typiquement ce dont je me souviens de ce parcours, c'est des trous aveugles quoi. Donc puisque le 1 est juste là, je suppose qu'il faut que je passe. Je pense qu'il faut que je passe au-dessus du sapin, là, du pin de gauche. On va faire ça, en fade. On va voir, je suis déjà pas très sûr de là où il faut jouer. Donc vous voyez, c'est pas évident. Mais en voyant l'orientation des bleus, je pense que c'est ça. Hein. On y va. Alors là, en plein sur les pins, j'espère que c'est la ligne, parce que si c'est pas la ligne, elle est perdue. Bon alors, je m'en sors pas mal quand même, parce que j'ai cru avoir perdu ma balle. Alors effectivement, il fallait viser le départ du 1, quoi, c'est un peu tricky. Hein. J'aurais pris drive, je pense que j'ai perdu ma balle à gauche, là. Je m'en sors bien. Je suis passé pile au-dessus de l'arbre. C'était limite. Bon, j'ai 126 mètres en descente, j'ai pris un pitch. À 52, j'ai vent avec. Je pense un 56 aurait suffi, mais je vais pas prendre le risque d'être trop court parce que je préfère quand même être un petit peu long sur le green que court en montée là à faire un chip. Je vais viser un peu à droite du trou et puis je vais essayer de trouver la bonne distance en faisant quasiment un demi swing là. La balle étant en descente, ça va prendre un peu plus d'énergie. Le vent avec, ça descend, etc. Je pense que je peux vraiment faire un demi-coup là pour la mettre sur le green. On y va. Bon bah c'est une gratte. Hein. Une gratte en descente comme ça. Bon, bien voici le résultat de ma magnifique gratte. Une approche un peu complexe parce que j'ai très peu de green pour arrêter la balle. Je vais essayer de la faire tomber juste début green, voire pré-green, dans l'espoir de voir la balle s'arrêter pile à la bonne distance. Oh là là. Je suis con, à 1 mètre, même pas à 50 cm près, c'était bon. Je sens que ça va être compliqué aujourd'hui. Bon, je suis en 3 ici, il faudrait que je la rentre pour faire le par, approche putt pour faire bogey. Ça sera le maximum que je m'autoriserai là-dessus. Allez. Ah, je l'aurais pu. Hein. Bon, allez, bogey, c'est pas très grave. J'ai fait plein de mauvais coups sur ce... Oh, j'ai surtout gratté quoi, gratté mon cou. C'est comme ça que je fais le bogey. Trou numéro 3 par 3, qui n'est pas très compliqué, 154 mètres. Drapeau plein milieu. Je vois pas vraiment de danger sur ce trou, ça va être plutôt reposant. Alors, je vais un petit peu contre. Hein. Je vais quand même prendre un fer 6, parce que 154 fer 7, je ne les ferai pas. C'est certain. Allez, fer 6, tranquille. On va chercher les directions. Et un beau contact. Alors celle-ci est plein axe. Super shot. Super shot. Peut-être une petite chance de birdie. Voilà, c'est effectivement un super coup. Je suis ravi de celui-ci. Hein. Bon coup de fer 6, sans forcer, tranquille. Puis, sauf que je trouve pile la bonne distance. Ça, c'est un petit peu de chance parce que j'aurais été 5 mètres trop long, 5 mètres trop court.
je n'ai pas la connaissance de mon swing et de mes distances suffisamment grandes pour pouvoir viser un mètre près. Donc c'est un petit peu de chance pour moi d'avoir la bonne distance parce que ça me permet de laisser vraiment un putt à 3 mètres, je dirais peut-être 3 mètres pour le birdie. On va essayer de le rentrer, ce serait bien de revenir dans le par au trou numéro 3, comme ça ce serait absolument super. On y va. Ah mince. Oh non. Oh non, quelle tristesse. Je suis vraiment pile dans la ligne et court dans l'axe quoi. Bon bah c'était un par, je le prends quand même. Juste un petit truc que je vais vous dire, c'est que je risque de tomber en panne de batterie. Donc ce que je vais faire, je vais pas tous les filmer, je vais filmer les plus beaux. Et sachant que dans mon souvenir, les plus beaux arrivent là. Donc je vais peut-être sauter certains trous où je vais pas filmer. Et puis c'est assez difficile pour moi de poser la caméra à chaque fois. Je vous jure que c'est quand même un exercice assez complexe. Donc les trous que je jugerai un petit peu moins jolis, je ne filmerai pas, mais je vous donnerai le score parce que je veux compter mon score. Encore une fois, vous verrez, puisque c'est la première partie de mon hiver ici en Espagne. Et ce que je veux, c'est progresser. Donc ça sera un score de référence pour les prochains. On se retrouve au prochain trou, mais je ne sais pas quel numéro. Bon, alors en fait, je vous avais dit que je me souvenais qu'il était difficile, mais je ne me souvenais pas à quel point. Alors j'ai fait le par au trou numéro 4. Un petit peu par chance parce qu'encore mise en jeu aveugle, je me retrouve rough, bunker sorti, bunker putt. Et il y a un tout petit par 3, alors pour le coup c'est vraiment pas un trou difficile, mais je me mets bord de green avec dans le petit rough un peu bizarre là, puis je fais sortie de putt, donc je suis bogey, donc je suis plus 2. Et là je suis sur le trou numéro 6, donc j'ai aucun souvenir de ce trou. Par 5, bah là de toute façon c'est le fairway ou c'est balle perdue. Hein. C'est un peu bizarre comme parcours. Alors c'est très beau, hein, évidemment. On voit la mer là-bas. Je ne sais pas si vous voyez la mer. Malaga, ça doit être... On est au niveau de Malaga ici. Hein. Donc on doit avoir Fangirola et puis Marbella, c'est plus loin là-bas. Alors, par 5 des familles, un truc incroyable. Là, rien que cette mise en jeu me fait un petit peu trembler. Parce que c'est soit... En plus, j'ai vent de face. Donc soit c'est la piste, soit... Bon, je vais viser le bunker du fond, là, qui est en plein milieu, un peu dans l'ombre. Ça me laisse un peu de marge droite-gauche. On va chercher vraiment à tenir cette balle en jeu, là. Je ne vais pas chercher la grosse puissance, c'est un par 5 en plus. Juste chercher à la placer. Bon, elle est plein axe, hein. Elle est vraiment plein axe, avec mes lunettes je la vois jusqu'au bout en plus, c'est génial, chose que je n'arrivais pas à faire avant. Bon allez faire, ouais, obligatoirement, on y va. Bon ben voilà ma balle, alors là c'est un très bon drive, plein milieu, les bunkers sont juste là. Effectivement, je veux même dire, j'aurais mis 30 mètres de mieux au drive si j'avais une grosse puissance, j'aurais perdu ma balle, enfin, c'est vraiment un parcours difficile. Je me souvenais pas à quel point. Alors là, enfin, j'ai un coup quasiment franc. Mais bon, regardez à gauche. Là, si jamais à gauche, elle est perdue. C'est un ravin. À droite, c'est la pampa. J'ai 240 mètres pour le green. Donc, autant dire que je pourrais tenter un bois 3, un très gros bois 3. Mais le bois 3, si je l'enroule un peu à gauche, comme a fait l'anglais ce week-end en Irlande, et ça lui a coûté le tournoi, mais lui, il avait encore un coup dans le rough. Mais là, si je la mets à gauche, elle est perdue. Si je la mets à droite, elle est perdue. Je vais prendre un hybride. Alors du coup, avec l'hybride, bah, je vais tomber entre les deux bunkers. C'est compliqué. Je vais quand même jouer l'hybride tranquille. Je vais pas forcer comme je fais depuis le début de la partie. Hein. Je joue vraiment soft aujourd'hui. Ah, c'est une mise en route hivernale, je dirais. Je n'ai pas beaucoup joué ces derniers temps. Mais là, ce que je vais vouloir faire, c'est juste mettre la balle. C'est une mise en jeu, hein, d'une certaine manière. Bon, bah, elle est plein milieu. Hein. Elle tourne un peu à droite. Aïe, alors je la vois pas tomber. Vous voyez, j'ai joué en fade un peu retenu pour surtout, et surtout, je voulais pas aller à gauche. Parce qu'à gauche, c'est perdu, clairement. Elle peut être dans le bunker, je sais pas, on va voir. Bunker ou un petit chip. Bon bah voilà ma balle, je suis pas très loin du bunker, je suis une dizaine de mètres court, mais c'est très bien. C'est très bien comme ça, effectivement, un gros bois 3, j'avais la portée pour y aller.
Mais le gros bois 3, il peut vite aller à gauche, vite aller à droite. Dans les deux cas, c'est balle perdue. Encore que c'est pas balle perdue parce qu'ils ont été malins. Ils ont piqué rouge. Et je suis pour ce genre de choses. Clairement, c'est pas un obstacle d'eau. Mais c'est pas une zone à pénalité puisque la terminologie a changé. Mais de le mettre en rouge, au moins, c'est-à-dire que j'aurais perdu ma balle ici, j'aurais pu dropper sans rejouer de là-haut, évidemment. Alors là, j'ai une cinquantaine de mètres, je pense, un peu moins, peut-être 40 mètres. Allez, on va le faire un peu en visuel. Coup de sand wedge. L'objectif, essayer de se rapprocher le maximum du trou pour faire un birdie. Je suis super court, je sais pas pourquoi. Je suis super court. Bon, c'est pas un bon coup, je l'accroche un tout petit peu. Vous voyez, je suis super court, il manque 5-6 mètres là pour le green. J'ai un peu accroché. Je me demande, alors sans vouloir me chercher d'excuses ni rien, mais je me demande si mes lunettes me changent pas un tout petit peu la perception des distances. Peut-être, peut-être pas. Enfin, faut que je m'y habitue, je les ai reçues la semaine dernière. Allez, si je pouvais faire juste approche putt sur celui-ci. Pour le par, ça m'irait encore très bien. À toi, à toi. Ça roule, ça roule. Bon, bah, c'est pas donné. Il va falloir que je travaille pour faire le par. Bon, bah, ça, c'est mon putt pour par. Je suis quand même assez déçu parce que je mets un super drive sur ce trou. Alors, bon, ça épuise un peu parce que je la tape doucement pour tenir la balle. Pareil pour l'hybride. Pareil depuis 6 trous en fait, parce que les trous sont souvent aveugles avec soit balle perdue, soit balle en jeu, c'est compliqué. Mais bon, c'est un bon test et puis c'est très bien de commencer. C'est pour ça que j'ai commencé par un parcours difficile là, parce que je reviendrai à la fin de mon entraînement hivernal. Puis on verra si je fais mieux, j'espère quand même. Allez. Bon, bah bogey. Ça, c'est très dommage de faire bogey ici. Après mes deux premières mises en jeu, je dis deux mises en jeu parce que mon drive, c'est une mise en jeu et un coup d'hybride sur un par 5, tant qu'on ne vise pas un green, ça reste exactement la même stratégie qu'une mise en jeu. Je me suis mis quoi, à 50 mètres du drapeau en deux et je sors en faisant 6, c'est très dommage. On file au suivant. Au 9, je refais bogey au 7, je fais par au 8 et là, je suis au trou numéro 9, ce qui fait que je suis déjà plus 4 après 8 trous. Ça va vite, le parcours est effectivement très difficile. Alors difficile parce que je le connais pas, pas parce que j'ai joué il y a 20 ans que je m'en souviens, mais beaucoup de départs aveugles, de mises en jeu en aveugle, donc on ne sait pas où jouer, un peu à l'image du 2 que j'ai filmé, je la retrouve un peu en descente comme ça, j'aurais pris drive, elle était perdue parce que j'ai pas joué la bonne direction, parce que je ne savais pas. Mais en fait, il y a énormément de trous comme ça. Le 8, je fais le par, pareil, je suis dans une situation un peu compliquée, heureusement je fais approche putt. Et là on est sur le 9 qui est handicap numéro 1. Alors ne serait-ce que quand vous le voyez comme ça, vous ne savez pas trop où jouer. Je regarde sur le plan, si je mets à droite là, bon il faut surtout pas aller à droite parce que c'est ma portée, je vais dans le... Je suis à 180 mètres quoi, des arbres de droite hein, derrière le bunker. Donc là pareil, si je vais là-bas c'est balle perdue. Et en fait il faut que je passe au-dessus de la route quoi. Au-dessus de la route, vent de face. Voire peut-être un peu à gauche, je sais pas à gauche en fait, je sais pas comment c'est. Voilà le problème de ce parcours, c'est qu'il est très beau, c'est sûr, mais c'est un parcours qu'il faut connaître pour l'apprécier. Là, il faut vraiment que je reste calme parce que... Alors je prends drive, pourquoi? Parce que c'est le trou le plus dur, j'ai 400 mètres avec vent de face. Je vais me laisser, même si je mets un bon drive, comme je la force pas trop aujourd'hui, je vais me laisser quand même un coup de 170 quoi, donc je vais pas prendre bois 3, c'est pas possible. Sinon derrière ça va être très compliqué. Donc il faut vraiment que je la mette à la corde. Je vais essayer de la jouer là où je la vois tomber. Mais je vous assure que c'est un peu compliqué hein, aujourd'hui. Il y a beaucoup de vent de face. On va voir. Je pense que c'est pas mal. Un peu plus à droite que ce que je voulais, mais. Ouais, alors vous voyez, elle n'est pas fairway, elle est quand même assez droite. Elle est dans le léger rough qui descend là-bas. Je ne l'ai pas forcé, hein, évidemment. Heureusement, parce que sinon, j'aurais été dans la pente complètement. Beaucoup de coups avec les pieds en pente. Bon, ben, je suis venu ici pour ça, donc je ne vais pas me plaindre. Bien, ben, voilà ma balle. Je suis à 135 mètres à peu près.
Alors c'est bizarre parce que je pensais qu'il me resterait plus de distance, à moins que le vent n'était pas forcément, n'était pas contre en fait. Voyez le fairway de gauche là, je sais pas si vous le voyez bien. Ouais, si vous le voyez, il doit faire, je sais pas, 15-20 mètres de large. Autant dire que c'est rien du tout et derrière c'est hors limite. Donc voilà pourquoi c'est... Bon, ça m'ennuie un peu parce que de dire ça, mais on est à la limite du parcours qui est, comme on dit, pas très golfique. C'est pas très golfique hein, de laisser 10 mètres avec hors limite comme ça en aveugle. Franchement, et là du coup, je suis quand même pas mal et je me retrouve avec une balle plus haute que les pieds. C'est un coup encore compliqué, vous voyez, j'ai la balle super haute par rapport aux pieds. Ce qui va me donner un coup de fer 8 un peu complexe encore. Je vais viser plein milieu de green, je m'attends à ce qu'elle tourne un peu droite-gauche. Hein, c'est ce qui se passe en général quand la balle est plus haute que les pieds. Mais n'importe où sur le green m'ira bien, sur ce trou qui est considéré comme étant le plus dur du parcours. Ah, ça peut être parfait, ça avance. Avance un peu. Ouais, très bien. Je pense qu'elle est très bien. Elle est très bien, elle a pris la trajectoire que je voulais. Droite-gauche, ça c'est uniquement du fait de la balle plus haute que les pieds. Bon, voilà mon pitch est là. Voilà mon deuxième coup. Alors, je suis assez content de ce coup. Hein. Je suis un peu loin du trou. Il n'est pas fait encore le par, évidemment. Surtout que alors, hein, le parcours est quand même très dur. Et puis, nous mettre des drapeaux dans les coins, c'est assez difficile. Je vous avoue que c'est un très bon test. Ce sera un bon parcours de début d'entraînement. Alors, droite-gauche. J'essaie de la faire mourir au trou, hein, évidemment. Très grande pente droite-gauche. Voir ce que ça donne. Je le sens moyen. Pour être tout à fait franc, je le sens moyen. Mais on va se battre. Ah là là, arrête-toi. Oh là là. Bon, c'est pas si mal, c'est pas si mal. C'est pas donné, quoi. Bon, allez, j'ai ça pour le par et boucler mon aller en plus 4. C'est pas terrible, mais... ça aurait pu être pire parce que le truc, c'est que j'ai pas perdu de balle. Hein. J'ai pas perdu de balle. C'est un parcours, dès qu'on lâche un tout petit peu, heureusement j'ai plutôt bien arrivé. Alors, ça serait bien que je le rentre quand même. Ce serait quand même très bien. Bon. Eh ben, c'est pas terrible, hein. Je joue 5 à l'aller. 5 à l'aller, c'est pas un bon score, je ne m'attendais pas à scorer autant. En même temps, bon, le parcours est difficile, je ne connais pas. Bon, on va voir ce qui se passe au retour. Bien, me voici au trou numéro 12. J'ai fait le par au 10, qui est en fait un tout petit par 3. Hein. Par 3 en descente de 125 mètres, très facile. À la limite, j'ai raté le birdie parce que j'étais pas très loin du trou, j'ai pas rentré le putt. J'ai fait le par au trou numéro 11, c'est un par 5. Alors, bon, ce qui est vrai aussi, c'est qu'à l'époque, moi j'avais pas énormément d'expérience de golf joué à l'étranger. Je crois que j'en avais peut-être même jamais joué à l'étranger à l'époque quand j'étais venu ici au Club Med. Donc, j'étais assez impressionné par tout cet environnement. Mais je dois vous dire qu'il est très spécial, il est un peu bizarre ce parcours. Bon, là j'ai un par 3 qui est très joli, qui fait 175 mètres, légèrement descente. J'ai pris un fer 4 parce que bon, j'hésite entre fer 5 et fer 4 pour tout vous dire. Mais comme aujourd'hui je suis plutôt en mode cool, je vais quand même taper un petit fer 4. Je ne me sens pas d'accélérer plus que ça. Donc là n'importe où sur le green m'ira bien. Ce qui est assez joli, c'est ce bâtiment là au sommet, là-haut, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être un bâtiment, une église, hein, sûrement. Je ne sais pas. Alors, fer 4, 175 mètres. Donc, je vais la jouer vraiment soft. Le but sera de trouver
un putt pour le birdie, quelle que soit sa distance. C'est parti. Quoique le drapeau est en plein milieu de green, hein, je vais viser le drapeau, hein, plein drapeau. Mais bon, avec un fer 4, hein, ça peut aller n'importe où. Enfin, trouver la précision comme ça, c'est toujours un peu dur. Petit fade qui va très bien, elle tourne un tout petit peu trop. Bah, elle est longue, elle est complètement fond green. J'ai un peu retenu en fade comme ça, bon, c'est un petit peu la sensation que j'ai trouvée aujourd'hui, parce que comme c'est un parcours qui est très tricky, je veux surtout pas lâcher. On peut pas se permettre de lâcher sur ce parcours, sinon c'est balle perdue. Donc je la coupe volontairement ici un petit peu en fade à chaque fois pour être sûr de pas en foutre n'importe où quoi. Alors ça me coûte certainement un petit peu en distance. Là, je suis assez surpris quand même parce que je la tape super soft. Mais bon, c'est en descente, il y a un petit peu de vent avec probablement, que j'ai pas trop vu. Mais comme j'ai des arbres et une maison derrière moi, j'ai pas senti le vent. Je suis tout à fait fond green. Bon, cheap putt, cheap putt. Bon, je suis assez ennuyé parce que je viens de jouer. J'ai fait deux putts. J'ai fait deux putts, ma balle était là. Mais la caméra, je pensais qu'elle tournait, elle tournait pas. Donc je vais le refaire pour le fun. Surtout que je viens de putter, hein. Je suis resté court d'un mètre 80 à peu près, j'ai rentré mon deuxième putt. Donc je vais le refaire, je devrais forcément, enfin forcément, je ne sais pas, mais a priori faire mieux que le premier. Je vais vous le faire pour le vlog. Bon, ben, j'ai fait à peu près le même putt que tout à l'heure, sauf que je l'ai rentré tout à l'heure. Je ne suis pas sûr de le rentrer deux fois d'affilée. Donc moi, je me compte le par, quoi qu'il en soit, parce que je l'ai fait. Bon, eh ben, j'ai fait à peu près exactement la même chose que sur la première. Donc j'ai fait par 10, 11, 12. On va voir le 13 ensemble, je crois. Si c'est celui auquel dont je me souviens, il est assez impressionnant. Bien, me voici sur le trou numéro 13. Alors, je m'en souviens de celui-ci. Il a un tout petit fairway avec un bunker qui est plus là pour arrêter les balles, pour pas la perdre, en fait. Donc, j'ai 230 mètres. Donc, c'est pas drive. Je vais prendre un petit hybride. Quoique j'aurais pu prendre un fer aussi, fer 3 peut-être, mais écoutez, je vais prendre un petit hybride. Et là, en fait, la difficulté de ce trou, elle est grande, c'est celle de mettre en jeu. Parce qu'encore une fois, si je vais à droite, elle est perdue. Si je vais à gauche, elle est perdue. La seule solution, c'est tout droit, en n'étant pas trop long, sinon elle est perdue. Allez, on va essayer de faire le par sur celui-ci aussi. Encore qu'il n'est pas très long. Hein. Je peux même faire le birdie. Mais il faut juste... Moi, je joue au golf en serrant les mains. Depuis le trou numéro 1, c'est assez éprouvant, je vous avoue. C'est assez fatigant. Reste là. Aïe, 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 attends. Elle peut être dans le rough, un petit peu à droite. Bon, et bien, comme je l'imaginais, ma balle est à droite, elle est perdue là-dedans, mais c'est piqué rouge, il y a des piquets rouges tout le long, exactement. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez derrière le bunker, il y a un petit piqué rouge, je ne vous mens pas. Donc, j'ai le droit à deux, bon, j'essaie de mettre rentrée à peu près par là. Hein. Un... Deux longueurs de club, on va faire ça dans les règles, un tee ici, et là je peux dropper hauteur de genou de là. Alors vous voyez ici le problème, c'est que j'ai un sapin, enfin un pin, et ça va être très compliqué de toucher le green encore. De là, la raison voudrait que je joue ce fairway, là, un petit chip. Bon, j'ai 131 mètres, ce serait normalement un fer 9 pour moi. Je peux pas jouer le fer 9 à cause des arbres. Je vais prendre un fer 7, je vais faire un grand fer 7 roulé, si vous voulez. Donc de jouer ce type de coup, là, fer 7 roulé, la difficulté ne sera pas de la direction. Hein. Mais ce sera le dosage, évidemment, c'est une balle qui va beaucoup rouler.
Faut que je fasse quand même attention de ne pas toucher les arbres là-haut. Allez, donc je joue mon troisième coup. Je veux dire que le par, j'y crois pas trop, on va essayer de faire le bogey quand même. C'est pas mal. Je ne vois pas rouler, mais je pense que c'est pas mal. C'est un bon coup en tout cas, les parties basses, comme je voulais. Je pense que l'énergie mise était bien moindre qu'avec un fer 7 normal. Donc je vais faire peut-être 20, 30, 40 mètres de moins qu'avec un fer 7. Ça peut être bien, on va aller voir. Bon, ben, je suis là, c'est dommage. J'espérais qu'elle arrive sur le green, ce qui veut dire que je suis en 3 ici. J'ai une approche assez compliquée parce que vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais j'ai une cassure là de green juste avant le drapeau. Ce qui fait que si je chip entrée green, elle va partir à gauche. Si vraiment je veux mettre au drapeau, il va falloir que je lobe un petit peu. On n'a qu'à tenter ça, pourquoi pas. Ce serait pas mal de faire approche putt quoi, pour sauver le bogey. J'ai vraiment pas envie de faire un double ici. Allez. Pas mal ça. Tout petit peu à droite, mais j'aime beaucoup. J'aurais eu du mal à faire beaucoup mieux, mais j'aime bien parce qu'elle a été bien dosée. C'est la difficulté du lob, c'est de la doser. Je suis plutôt quand même bien dosé. Un tout petit peu à droite, c'est dommage. Il n'y a plus qu'à rentrer pour sauver le bogey. On y va. Voilà ce qui me reste. Comme je disais, ce serait bien de le rentrer. Ce serait très très bien même. Pour ne perdre qu'un point. Enfin, qu'un coup, pardon. Ne perdre qu'un coup sur ce trou, ce serait bien. Allez, droite-gauche, légèrement montée. Surtout ne pas rester court. Ah non. Non. Bon, ben, ça sera le bogey, le double bogey, pardon. Dommage, après trois parts, j'étais assez content. Mais ce trou-là, il est terrible. Hein. Je vais vous le montrer de là, regardez. Allez, vu d'ici, vous prenez la difficulté de la chose. Allez, c'est assez compliqué, quand même. Me voici sur le numéro 14, donc c'est celui qui est juste après le trou sur lequel j'ai fait double bogey. C'est un petit par 3, je trouve très joli, très méditerranéen en fait. Hein. Il est très court, il fait 124, j'ai regardé la jumelle, j'ai 118 à peu près pour le drapeau. Mais la difficulté de ce trou, c'est que le green, juste avant le green, ça monte comme ça. C'est-à-dire que si je suis court de green, la balle va revenir en arrière et, je me laisserai une approche très complexe, je pense. Donc ce que je vais faire, je vais plutôt prendre un pitch. Je pense qu'un plein coup de 52 pourrait aller. Mais je vais prendre un pitch assez solide pour viser 5 mètres derrière le drapeau, 4 mètres derrière le drapeau, pour surtout ne pas rester court. Là, on sent vraiment que si je suis court, bah, j'aurai une approche extrêmement complexe. Pitching wedge, il faut que je fasse 120 mètres avec. Pas trop long quand même, tombe. Oh, elle est parfaite, super court. Ono, ça fait plaisir. J'ai une vraie chance de birdie. Je pensais qu'elle irait 3-4 mètres plus long. Voilà, c'est un super coup. Je vais essayer d'entrer le birdie. Voici mon coup. Alors, je suis très content de ce coup. Petite aventure qui m'est arrivée, ma voiturette est tombée en panne de batterie. La réception ne répond plus à cette heure-ci. Il est 16h. Et en fait, je vais devoir terminer à pied, avec tout le matériel, le pied de caméra, la caméra, le drone, etc. J'ai peur. Bon allez, on va faire le birdie ici, ce serait bien. J'en ai besoin. On a toujours besoin de birdie d'ailleurs. Mmh.
Non, pas birdie. Bon. Voilà. Bon, je suis un peu contrarié avec cette voiturette, avec ce pote qui rentre pas. Ça va bien se passer. On termine dans les meilleures conditions. Bien, me voici au trou numéro 15. Donc sans voiturette, etc. J'ai même oublié la carte de score. Mais c'est pas très grave parce que 10, 11, 12, j'avais fait le par. 13, je fais le double. 14, je fais le par. Donc je suis plus de retour. J'étais plus 4 à l'aller, je crois. Hein. Plus 4, plus 5. Je sais plus, j'ai dit à la caméra, donc je le sais. Donc plus de retour. Allez, on y va. J'ai donc du coup laissé passer les gens qui sont en voiturette maintenant. Alors à gauche, là, je crois que c'est aussi large que je veux à gauche. Je vais attendre parce que la dame est là. J'ai pas envie de lui faire mal. Prends le vent un peu à droite. Bon, elle a pris le vent, elle tourne un peu à droite, mais bon, elle doit passer le petit ravin sans problème parce qu'il me semble être vraiment très proche. Je pense que je suis bien, je pense que je suis plein fairway. On va voir ça. Ah. Donc c'est un bon drive, hein. Je suis plein fairway. Je suis très satisfait de ce coup, même si je visais un peu plus à gauche là. Mais elle est très bien où elle est, c'est un par 5. Il me reste 212 depuis la caméra, ça fait à peu près 4 mètres, donc 208 mètres, 207 mètres à peu près, mais il y a vent avec, mais pas énorme, et qui est compensé par la pente descendante. J'attire votre attention sur cette magnifique vue montagneuse derrière le trou. Donc là, je vais pas attaquer comme un fou, parce que là, encore pareil, vous voyez, à droite, c'est balle perdue, même si c'est piqueté rouge, etc. Bon, je vais prendre un hybride et je vais viser court à gauche du green. Hein, si j'arrive à atteindre un début de green très bien, j'aurai deux putts pour le birdie. Et si je l'atteins pas, j'aurai le chip putt pour le birdie, quoi. Mais il faut surtout éviter de lâcher à droite, là, ce serait pas bon. À gauche, derrière la petite butte d'herbe, ça me semble assez plein, il y a le bunker. Je vais m'appuyer à gauche. C'est parti. Très très à gauche, reviens. Alors je sais pas trop. Je suis en direction des arbres de gauche. Elle est bien touchée. J'ai tellement peur d'aller à droite avec le vent que je me suis mis dans les arbres. Je vais être à hauteur. Je dois pas être si mal. Je dois être à hauteur du trou. On va voir ce que je peux faire de là-bas. Bon, ben, je suis plutôt content parce que ma balle a pris la petite descente. Vous voyez d'ailleurs que la ligne dans le sable. Ce qui veut dire que je suis en 2 ici sur ce par 5. Sortie putt me donnerait évidemment le birdie. Alors, sortie putt, ce serait pas mal quand même. Hein. Ce serait vraiment pas mal. C'est pas mal, j'aime bien, c'est dommage, je la mets un peu à droite, mais le dosage était super. Ah, la même dans l'axe, elle pouvait même être dans le trou celle-ci. Bon, ça me laisse quand même une chance de... Ah ouais, il n'y a toujours pas de râteau ici, ouais. Je pense qu'ils sont encore avec la règle Covid. Bon allez, j'ai ça pour le birdie. Ce serait bien qu'elle rentre. Ce serait très bien qu'elle rentre. Oh non! Oh. Quel dommage! Ah, quel dommage! Bon, prochain trou. Bien, me voici au 18e. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai joué tous les trous, évidemment. J'ai
17, j'ai fait le par, 16, j'ai fait bogey. Et le trou d'avant, le 15, je l'ai filmé, c'était le par 5 où j'avais un putt pour birdie qui était rentable, mais que j'ai pas rentré. Allez, trou numéro 18, c'est un par 5. Alors j'ai laissé mon sac là-bas, donc je sais pas ma jumelle, mais on voit le fairway qui est assez étroit à gauche là, et de l'eau à droite, donc il faut vraiment jouer à gauche. Là je jouais plutôt large à gauche, c'est un par 5, donc même si je suis dans le petit rough de gauche, ça n'a vraiment pas de souci, alors que dans l'eau, évidemment, ce sera un drop. Allez, on y va. Parti. Allez, très très bien. Ben, je veux dire, c'est un des meilleurs drives de la journée. J'ai l'impression que j'ai un peu plus appuyé. Je me suis bien senti à l'adresse et j'ai lâché les chevaux, quoi. Bon, mais de toute façon, je pense que je ne toucherai pas en deux parce qu'il fait plus de 500 mètres. Mais elle est très bien, elle est en jeu. Je vais voir là-bas. Et puis on va essayer. C'est un troisième coup sympa pour une tentative de birdie. J'en ai pas fait aujourd'hui, ce serait bien. Ok, alors là, mon drive est là, il était très bien. Je vais jouer mon deuxième coup. Par 5, 240 mètres, mais vent de face, donc j'ai peu de chance de l'atteindre. Je vais jouer les bunkers du fond là-bas, en espérant me laisser un troisième coup facile pour le mât. J'ai pris le bois 3, beaucoup de vent de face. Allons-y. On est plein axe du drapeau. Alors évidemment, j'aurai pas la distance, mais je pense que j'ai une chance de faire un birdie sur cet ultime trou, ça me ferait du bien. Bon, bah, y a un gars qui vient me rejoindre là, un employé du club qui m'a donné une bonne furette. Mais bon, j'arrive au 18, mais il m'a dit que le barou, sa fille était déjà assez loin. Donc il m'a dit prenez la voiture, c'est bon. Alors, la balle. Et vous allez voir, elle est juste avant le bunker ici. Il y a une petite approche putt pour le birdie terminé. Voilà, je sais même plus quel est mon score. Je vais être à plus 7, quelque chose comme ça. On va essayer de faire ce birdie pour terminer la partie à plus 6. Je me conviendrait pour une première partie ici en Costa del Sol. Allez, là, ma balle. Regardez, hop. Allez, ici. Je pense que vous la voyez. Oui, elle est là, ici, juste là. Ben voici ma balle, c'est pas mal. Je suis en 2 ici. Alors j'avais dit 500 mètres, mais. Tu vas pas faire 500 mètres, j'ai pas la carte avec moi. Alors, drapeau très court, c'est pas une approche évidente parce que j'ai très peu de place pour travailler la balle. Donc soit je la joue un peu safe et puis je vais dépasser de 4 mètres peut-être, soit je la joue en mini lob, je prends ce petit risque de faire un petit lob ici, ce que je vais faire, en essayant de tomber entre l'entrée du green et le drapeau, et puis en espérant qu'elle s'arrête vite. Et pourquoi pas dans le trou? Après tout, c'est vrai, pourquoi pas dans le trou? Allez, c'est parti. Ça, c'est pas mal. Je pense que si je fais un truc qui ressemble à ça, ça peut être bien. On y va. Tombe. Oh! Je crois que je vais faire un birdie. Ben, je suis très content de cette approche. Très content. Allez, on va faire un birdie ensemble. Bon, ben, le birdie est quasiment donné. Je dis quasiment, hein, parce que je dois avoir 70 cm. Ouais, je vais quand même enlever le drapeau parce que j'aimerais pas le rater celui-ci. Birdie! Bon, birdie au 18, ça fait plaisir quand même. Bon, alors, petite conclusion de cette partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois jouer 6 ou 7, je ne sais plus à l'aller si je joue 4 ou 5 en fait. Je verrai ça en regardant mes images. Alors, quoi vous dire? Je suis content d'avoir joué ce parcours. Il est difficile quand on ne le connaît pas, parce qu'il n'est pas très long en fait. Hein. J'ai pas de gros problèmes. Ce qu'il faut surtout, c'est mettre en jeu, connaître un peu le parcours. Je reviendrai ici dans quelques mois.
et je rejouerai en essayant de jouer beaucoup mieux que ce que j'ai fait, en tout cas en scorant beaucoup mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui. Et vous verrez, je vais faire plein de vidéos là cet hiver. Je posterai sur ma chaîne Phileas Golf, c'est la chaîne sur laquelle je poste tous mes vlogs. Je ferai évidemment des leçons aussi sur ma chaîne classique, hein, coursdegolf.net. Bref. Et je vais faire beaucoup de vlogs, et l'objectif pour moi cet hiver, mais je vous expliquerai ça tout ça dans une autre vidéo de vlog où je m'entraînerai, où je vous expliquerai exactement les tenants aboutissants de mon projet hivernal. Et voilà. Bah écoutez, merci en tout cas d'être encore sur cette vidéo tout à la fin. Je vous dis à très bientôt dans le prochain vlog que je tournerai déjà dès cette semaine. Je ne sais pas à quelle fréquence exactement je pourrai mettre ça en ligne. Peut-être je ferai un vlog par semaine. Enfin, toutes les semaines, je mettrai un vlog, et puis la semaine d'après, un parcours, un vlog, un parcours, etc. Vlog qui sera tourné sur différentes journées. Je ne sais pas exactement comment je vais m'organiser, mais le but, pour moi, ça va être de faire une espèce d'histoire de mon hiver, et puis de m'entraîner, et de vous montrer comment je m'entraîne, de vous montrer, et puis d'essayer de progresser autant que je peux cet hiver. C'est un temps, c'est un cadeau que je me fais, et je me le fais aussi parce que vous êtes là. Je vous avoue que si vous n'étiez pas derrière la caméra comme ça, eh bien certainement que j'aurais peut-être pas pris la même décision. Bref, merci merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo ici sur la Costa del Sol. Allez, à bientôt.